Thomas, pour moi, c'est quelqu'un de très précieux dans ma vie. Je pense que c'est réciproque. Un gars que j'apprécie humainement et dont je suis admiratif artistiquement. Alors, Jean-Marc, à toi. Ça s'appelait œil pour œil depuis un an dans ma tête, l'idée. Puis on finissait toujours, moi je me disais, dans notre tête, ça fait toujours dent pour dent. Tu sais, tu dis œil pour œil, tu vas faire dent pour dent. Là, j'aimais plus l'image que ça projetait. Je dis, ah, je le sais que c'est. Je pense toujours que c'est la. Il n'y a pas une meilleure justice que ça. Mais c'est utopique, ça n'arrivera jamais. On n'est pas pour rendre coup pour coup, ça n'a aucun bon sens. Puis je disais souvent utopique. C'est Chantal qui a eu l'idée. Pourquoi tu n'appelles pas ça utopique? Mais j'ai dit, quelle bonne idée. Puis utopie, j'aime ça. Je trouve ça dufteux, utopie. C'est. Il y a quelque chose de calme, il y a quelque chose de reposant, oui. Et on rêve tous. C'est encore Chantal qui a eu l'idée du Peace and Love. Écoute, il y a à peu près tous les concours au monde. Les participants viennent toujours dire, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait enfin la paix dans le monde. On rêve encore, mais ça n'arrivera jamais. Mais ça reste, pour moi, probablement la plus belle utopie de l'être humain. Ça n'arrivera jamais, mais on a le droit d'y rêver, par exemple. Fait qu'avec Utopie, je vais pouvoir m'en aller là-dedans. J'ai une excuse pour dire plein d'affaires que je voudrais qui se réalisent, mais qu'on sait tous très bien que ça n'arrivera jamais. Puis quand tu vas me dire, voyons, ça n'a pas d'allure, je le sais, c'est de l'utopie. C'est utopique, c'est tout. Fait que les gens, ça leur tente. Bien, regardez, c'est en vente à partir de là. En ce moment, pendant que vous regardez ça, c'est en vente. J'aime arriver dans une ville, j'aime ça, moi. Tu sais, le Québec, c'est chez nous, c'est comme une ville pour moi. C'est une grosse ville avec différents quartiers. Les villes, c'est des quartiers. Fait que j'ai toujours hâte d'arriver. Bien, je vous attends, hein. Utopie, je vous attends. Il y a des belles idées, on va rêver ensemble.